Cadre de perte de culture. Nous allons avoir la culture cinématographique avec une équipe réduite. Maxime. Bonjour, Bonjour Maxime et moi-même Frédéric. Eh bien Maxime, je voulais savoir si tu aimes la BD Spirou. Eh bien non. Et je Même pense que ça BD. tombe bien bon. parce que je n'aime pas la BD. Et je crois alors, que le film est très très nul. Oui. Alors j'aimais la BD et au cinéma ça n'a vraiment aucun intérêt. Aucun intérêt parce qu'il n'y a rien dans le film. Ce sont des espèces de. même pas de gags les uns après les autres. On s'ennuie, ça n'a aucun intérêt. Et je dois dire, j'en parle pas plus parce que je suis parti assez vite. Donc, exit comme le, le Gaston Lagaffe qui arrive et qui m'a l'air d'être particulièrement nul. Ouais. Mais nous en parlerons quand nous l'aurons vu. Tout ce qui est BD et mettre au cinéma, ça n'est pas évident. Alors, toi, qu'as-tu vu de bien Alors, moi, j'ai vu euh, un bon film euh, qui s'appelle Phantom Trade, euh, alors qui, contrairement à ce que son titre indique, ne montre aucun fantôme, mais raconte l'histoire dans les années 50-60 d'un grand couturier anglais, mmh. en tout cas qu'on nous présente comme tel, un couturier pour femmes, bien sûr, qui fait de la haute couture, euh, et qui est un homme assez esselé, euh, qui vit de son succès dans sa maison de couture, au-dessus de ses ateliers, avec sa sœur, euh, qui est un homme d'une cinquantaine ou peut-être petite soixantaine d'années et on sent qu'il arrive au tournant de sa vie il arrive au tournant de sa vie amoureuse il arrive au tournant de sa vie professionnelle et un jour euh, il va rencontrer une jeune fille qui est une serveuse dans un hôtel qui va dont il va être admiré, euh, admiratif pardon et euh, il va en faire sa muse euh, à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie privée et cette muse va devenir progressivement sa femme. C'est très, très cinéma, parce que quand on voit le nombre de metteurs en scène ou de producteurs qui ont eu des muses et en fait ils en ont fait des actrices après l'avoir mis dans leur lit. Absolument. <laughs> bon, donc là c'est exactement le, le parcours, euh, si j'ose dire, du combattant. En tout cas, le parcours type de, ce, de cet homme. Euh, et ensuite on va voir toutes les péripéties de ce couple et en particulier de cet homme qui est seul, euh, qui une fois qu'il devient un homme marié ou en tout cas In a relationship, en couple, comme on dit maintenant, euh, va avoir l'impression de perdre son talent, de se diluer, d'avoir son énergie qui lui est aspirée par cette femme. Et il va y avoir un moment assez clé. Alors, je le dis en dévoilant une partie de l'intrigue, mais je pense que ça n'est pas grave parce que c'est un film à voir de toute manière. Euh, à un moment, elle va tenter de l'empoisonner, de l'empoisonner non pas pour le tuer, mais pour le rendre malade, euh, pour pouvoir le soigner euh, plusieurs jours de suite, pour devenir indispensable. Et à la fin, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. On s'attend, évidemment, le, le film s'appelle Drame. On s'attend donc à ce qu'il meure, ou à ce qu'il meure tous les deux, ou à ce que lui la tue. Euh, eh bien non, en fait, le, la chose, euh, on le verra, finit euh, même plutôt bien, euh, puisqu'en fait, c'est l'amour qui triomphe, mais après, évidemment, un certain nombre de péripéties. Alors, ça, c'est le, le scénario, qui est plutôt fonctionnel. Euh, J'ai trouvé que c'était plutôt un bon film, alors un film assez lent. Euh, qui nous plonge un peu dans cette époque euh, fort lointaine et en même temps pas si lointaine que ça, où, où les choses allaient euh, à un train différent. Euh, le début va assez vite, paradoxalement, c'est-à-dire qu'on euh, voit que cet homme fait une robe, il part en week-end, il rencontre cette fille, et puis c'est le grand amour, ils habitent ensemble quasiment tout de suite, sans qu'on comprenne d'ailleurs très très bien pourquoi. C'est plus un film sur l'amour que sur la mode. Absolument. Oui, non, ce n'est pas du tout un film sur la mode. Non, on non, parle ça, pas on de mode. On voit, juste, euh, on voit enfin, évidemment, pas, on voit la vie sur... ouais. Non, pas du tout. Mais en revanche, euh, la mode est un prétexte pour cet artiste, parce que lui est plutôt présenté comme un artiste qui a besoin d'être totalement concentré. On voit que sa sœur, en fait, régente la maison. Elle est vieille fille. Elle régente la maison. Et on voit cet homme qui, par exemple, ne veut aucun bruit au petit déjeuner pour travailler, qui ne veut aucun souci pour être totalement dans son art. Et donc, en fait, une femme est perçue comme un souci, une source de bruit, de dérangement. Et donc, tout le film, en fait, c'est comment cette femme va réussir à devenir non pas une source de soucis, c'est-à-dire à dépasser ça vers une sorte de neutralité, et même jusqu'à devenir indispensable pour remplacer la sœur, qui était en fait la femme de la vie de cet homme. Et en même temps, lui a l'impression d'échouer. On voit ses clientes qui partent, on voit qu'il va faire une robe de mariage pour la princesse héritière de Belgique, et confronté à toutes ces épreuves, voilà, c'est vraiment l'histoire d'amour qui, qui tient dans ce cadre. Alors évidemment, on voit des scènes d'atelier, il y a quelques scènes Normal, de couture, ouais. mais qui sont assez faibles. On le voit dessiner souvent. Pour moi, ça n'est même pas un grand couturier. D'ailleurs, quand on voit ce que faisait Dior ou etc. à l'époque, clairement, on est en dessous. Il y a juste le tout début où on le voit finir une robe et on voit la dame qui descend un grand escalier mmh. avec sa robe très jolie. Mais c'est tout, en fait. Euh, et la prestation de l'acteur L'acteur est formidable. Voilà, très clairement formidable. Euh, L'actrice... Principale qui joue euh, euh, au départ un peu les godiches, un peu, un peu gauche, etc., va petit à petit prendre du charisme. Et on voit la femme de tête qui émerge euh, à travers ce personnage de fille simple, euh, finalement assez factice. Euh, la sœur qui va s'effacer. Il y a quelques clients qui sont assez truculents, notamment une grosse américaine, dont on devine que c'est la femme riche et en même temps alcoolique, euh, qu'on juge indigne de porter ses créations, même si en fait elle apporte une source de revenus considérable à la maison. Euh, le film tient énormément à l'acteur, tient énormément à l'ambiance. Euh, bien entendu. Moi, je le recommande vraiment, même si, encore une fois, on s'attend à avoir un drame. Euh, et en fait, même si le, le climat mmh. et euh, le volet psychologique des choses ne prêtent pas vraiment à sourire, hein, il faut être quand même honnête. Mais les choses finissent bien, moyennant quoi, ça n'est pour moi pas véritablement un drame. Euh, et c'est vraiment, à mon sens, un bon film. Mais ceux qui donnent des, des noms aux films, quand on voit comédie avec des choses qui ne font rire à personne, et des drames qui en sont peu, qui n'en sont pas, quelquefois effectivement, faut faire attention à, à la catégorie. La catégorie n'a pas de sens. Alors le climat incite au drame, parce qu'on mmh. sent le drame monter, on voit le couple qui se disloque, et tout ça, mais en fait, ça n'arrive pas. Donc l'amour triomphe. Et ça, c'est finalement quelque chose qui n'est pas si courant que ça au cinéma. Et donc, j'ai vraiment bien aimé. Alors, un autre film que moi j'ai vu, qui va sortir, je crois, le 14 mars, qui s'appelle Chien. Alors, Absolument. rien à voir avec Didier, qui avait été fait par chaba Dans les années la... 90. Euh, ouais. Oui, qui était un film comique, mm. euh, et qui était, qui était pas mal fait d'ailleurs, hein, où il se mettait en rond dans son panier. Enfin, c'était assez drôle, c'était très original. Oui, Alors là, c'est très différent, parce que c'est fait par un, un metteur en scène qui est assez peu connu, s'appelle Ben Chetrit, mm. qui a fait 5-6 films. Euh, qui est un grand fan du cinéma américain, j'ai eu l'occasion de l'interviewer dans le temps, qui est très imbu de sa personne, mais qui connaît par cœur le cinéma américain, et qui est vraiment un cinéaste. Parce qu'il fait, il choisit ses sujets, non pas en fonction de, de j'allais dire, du marketing. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui aime les films mmh. et qui les fait en fonction. Il avait fait euh, « J'aurais rêvé d'être un gangster » avec des scènes qui sont hallucinantes. Enfin, c'est une série de sketchs, il y avait des choses extrêmement bonnes, dont une, il avait tourné à la façon de, 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 de Charlot, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est vraiment un homme de cinéma. Mais il est un peu confidentiel, ça va dans quelques salles. En voilà, le sujet, c'est en fait un homme qu'on voit dès le début, qui est un pauvre type, en fait. Et euh, sa femme lui dit « Quand je suis avec toi... » ça me donne des démangeaisons. Alors, elle va voir des gens. Enfin, bref, toujours est-il qu'elle lui dit, faut que tu foutes le camp, ça me donne des démangeaisons. C'est Naturellement, il s'en va. Ensuite, euh, il travaille dans une espèce de supermarché, il y a quelqu'un, jeune qui vient, etc., qui dit, faut, faut, faut faire autrement, etc., il est licencié, il se retrouve à la rue. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui est une espèce de lavette. Non. Et euh, qui se retrouve. Mais ça, ça c'est assez classique. Enfin, c'est le, le début assez classique des films assez... sur le déclin social. Euh... Voilà. Alors, Parce que euh... le sujet, c'est ça, c'est la peur du déclin social. Et là, on, il le fait d'une façon assez amusante, assez originale. Enfin, amusante, non, parce que c'est quand même assez dramatique et avec des scènes violentes. C'est-à-dire qu'il se retrouve euh, hébergé par quelqu'un qui héberge des chiens, qui torture un peu ses chiens avec euh, mmh. des, de, des, des, des matraques électriques. Euh, lui. Finalement, il considère un peu comme un chien. Il le traite comme ça quand l'eau voulait s'en aller. Donc, il le torture aussi un peu avec ma traque électrique. l'eau se, se laisse faire. C'est un, un soumis. Il mmh. se laisse faire totalement. Et puis, bon, je passe. Et puis, à la fin, on le retrouve. Il est adopté par une famille et, et il est là. Il couche dans le panier du chien. Et il, regarde, il devient un chien, en fait. Et il devient un chien, si on veut. Et en même temps, il regarde l'enfant et on voit qu'il a envie d'avoir des relations et d'avoir mmh. quelque chose qu'il n'a jamais eu dans la vie. Alors, le metteur en scène dit que c'est pour montrer qu'effectivement, ceux qui dominent le fascisme, le grand mot, etc., parce qu'il est de gauche, mais effectivement, c'est la puissance de ceux qui veulent utiliser leur puissance mmh. par rapport aux faibles. Alors en même temps, il dit, c'est social, il dit, voilà, ce que je veux montrer, c'est la peur du déclassement de tas de personnes. Et c'est vrai, il est déclassé, mais il est déclassé pourquoi Parce que c'est en fait... Comme dirait Nietzsche, il y a les maîtres et les esclaves. Lui, il a une mentalité d'esclave. Tout à fait. Mais c'est très bien fait. Je trouve ça très intéressant. C'est violent, attention. Oh oui. C'est très spécial. C'est très spécial. Et il y a un univers qui est très drôle parce que, enfin, très drôle. C'est une façon de parler. Un univers qui est spécial. Il y a toujours un univers spécial. C'est toujours en dehors des villes, mmh. avec des, des terrains un peu en friche. Il regarde souvent vers le ciel, vous avez des hélicoptères, etc. Donc, il y a toute une, toute une métaphore aussi. Et en même temps, ce sont des maisons très modernes, mais très sobres, carrées, etc. Il y a un style benchetrit. Voilà. Il y a un style benchetrit. Voilà. Bon. Ben C'est -ce très spécial. C'est quand même un film qui doit mettre, j'imagine, assez mal à l'aise et qu'on ne met oui. pas, en tout cas, entre toutes les Non, mains. absolument. Euh... Ça met mal à l'aise, mais moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment du cinéma. C'est pour oui. les fans de cinéma, pour aller voir si vous ne connaissez pas. C'est spécial. Voilà. Oui ça va au-delà de la satire sociale traditionnelle, comme par exemple une époque formidable. On se souvient de ce film avec Junio il y a 25 ans peut-être, qui racontait peu ou prou la même histoire, sauf que l'homme ne devenait pas un chien, mais un SDF. Et on peut se demander d'ailleurs dans notre société si la place du chien n'est pas meilleure de temps en temps que celle du SDF. Et c'est peut-être ça d'ailleurs un des messages aussi de. Non mais le message est bien fait. La seule chose c'est qu'il y a quelques scènes qui sont assez violentes, c'est vrai. Mais euh, moi, je, je tire mon chapeau devant des gens qui traitent des sujets comme ça de oui. cette façon-là, parce que c'est quand même assez difficile à faire. Voilà, faut être. Alors, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre Moi, j'ai vu Tonya, ou plus exactement moi ah, oui. Tonya, alors qu'est l'histoire de Tonya Harding euh, Alors Tonya Harding, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou ceux qui oui. sont trop jeunes pour l'avoir connue, oui. euh, c'est euh, donc une patineuse artistique. Euh, américaine euh, qui a eu son heure de gloire au début des années 90 et à la fin des années 80 euh, et en fait qui a explosé tout d'un coup en plein vol au moment des Jeux Olympiques de 92 de mémoire à Lillehammer euh, où en fait sa grande opposante euh, Nancy Kerrigan va être attaquée par un homme à la barre de fer qui lui casse les genoux euh, pour l'exclure ou euh, dans la perspective de l'exclure de euh, des Jeux Olympiques. Bon. Alors, manque de chance, euh, deux choses vont être découvertes. Hein. La première, c'est que Tonya Harding, euh, ou en tout cas la famille et les amis de Tonya Harding étaient derrière le coup euh, pour empêcher cette Nancy Kerrigan, qui était sa principale opposante, de participer au titre des États-Unis aux Jeux Olympiques. Et deuxièmement, les deux vont participer aux Jeux olympiques parce que finalement la blessure n'était pas si grave que ça et euh, finalement Tony Harding fera seulement 8e quand Nancy Kerrigan finira 3e. Donc en plus ça n'a servi à rien. Ça a été une affaire Monstrueuse euh, dans les années 90. Hein, on en parlait à la télé, à la radio. Euh, cette Tonya Harding a été la personne probablement la plus célèbre du monde à cette époque et certainement la plus détestée. Alors le film retrace le parcours depuis l'enfance de cette Tonya pour nous expliquer comment elle en est arrivée là. Euh, en réalité, c'est plutôt l'histoire d'une déchéance euh, de cette fille qui est née dans une famille épouvantable, mère alcoolique, qui la battait, puis mariée. Pas alcoolique, mais qui la qui battait, battait à tour de bras. Elle naît dans cette Amérique des classes moyennes, très, ou même plutôt des classes très défavorisées. Euh, et en fait, le patinage est sa passion, c'est-à-dire qu'à partir de trois ans, elle est sur, sur des patins et c'est la seule chose qui lui permet d'être heureuse. Et elle patine, elle patine, elle patine, bien sûr, avec beaucoup de talent. Elle passe pendant ah oui. plusieurs années consécutives les championnats divers et variés, jusqu'à atteindre les championnats des États-Unis où elle finira par gagner après de nombreuses euh, désillusions, on lui reproche en particulier de, de manquer d'allure, c'est quand même une fille assez petite, un peu boulotte, au physique un peu ingrat, euh, mais elle réussira ce qu'aucune autre patineuse n'avait fait avec avant elle, c'est-à-dire dans un championnat officiel de premier rang, faire un triple Axel, c'est-à-dire un triple tour et demi, euh, et ça lui vaudra évidemment les championnats américains, sélection aux Jeux olympiques d'Albertville où elle finira quatrième, puis... Euh, Là, c'est la déchéance complète, c'est-à-dire elle boit, son mari la frappe, etc. Elle réussira à s'en remettre, réaffronter les championnats, euh, Jeux Olympiques de Lillehammer. Et là, c'est la chute. Alors, le film est tourné d'une façon un tout petit peu particulière qui moi me met mal à l'aise, mais qui peut avoir ses, ses fans. C'est-à-dire que déjà, il y a le jeu des voix. Enfin, je l'ai déjà dit ici plusieurs ouais. fois, mais c'est vraiment un procédé qui me met hors de moi. C'est-à-dire que elle et le mari parlent de façon très régulière dans le film. Et deuxièmement on nous le présente en nous en faisant comme s'il s'agissait d'un documentaire c'est-à-dire qu'on voit les acteurs interpréter le vrai rôle des personnes qu'il représente dans une sorte de documentaire des années 90 et on comprend à la fin qu'en fait ça s'inspire d'un documentaire qui a été réalisé à l'époque on voit d'ailleurs des images de la mère du mari etc et c'est plutôt bien fait ça raconte l'histoire de cette déchéance ça exonère à mon avis un peu facilement euh, cette Tonya Harding de, de ce qui lui est bon, arrivé en tout cas ça lui donne des excuses néanmoins c'est un film qui présente un point de vue sur cette affaire qui a défrayé la chronique à l'époque et qui nous montre un portrait alors c'est même plus un portrait en creux c'est un portrait en triple le creux donc euh, on peut aller de l'Amérique. On peut aller le voir, il y a des scènes mmh. de violence, hein, donc on n'emmène pas mmh. ses enfants pour voir le mari qui file des coups de coude ou des coups de carabine à sa femme. Okay. Alors, euh, dans le temps parti encore deux films rapidement, Criminal Squad. Alors ça, Criminal Squad, c'est le, le braquage classique. Euh, ça, ça se tourne à Los Angeles, pour ceux qui connaissent un peu Los Angeles, on s'aperçoit qu'en fait, pour des raisons économiques, mmh. paraît-il, ils l'ont tourné à euh, Atlanta. Bon, euh, mais ça, ça n'est pas grave. Euh, c'est très bien fait. C'est classique, pas tout à fait pareil dans la fin, pas tout à fait classique, bon, parce qu'il y a une. Bande de flics un petit peu spéciaux, euh, Criminal Squad, ça veut tout dire, mm. qui vont quand même poursuivre ces braqueurs. C'est un braquage qui a été très bien fait. Le son est parfait, il y a des scènes qui sont vraiment... C'est bien fait, dans le genre, c'est très bien fait. Dans le genre film d'action braquage. Film d'action braquage, c'est un... très bien fait, même si les acteurs sont pas connus et le metteur en scène n'est pas connu. Alors, ce que je voudrais aussi, alors quelqu'un qui est connu aussi, c'est Guillermo del Toro, bien qui sûr. Nous donne la forme de l'eau. La forme de l'eau, c'est bon un film... très spécial aussi, oui. mais très beau. Euh, Guillermo del Toro, c'est celui qui... Aime toujours les gens qui sont différents, un peu les monstres. Il l'avait montré dans Mimi, il l'avait mmh. montré dans le labyrinthe, le labyrinthe de Pan. Et là, nous sommes dans un laboratoire. C'est pendant la guerre froide, un peu paroxystique. Et euh, il y a un monstre aquatique qui est là. Alors on ne sait pas. On sait qu'il vient de quelque part en Amazonie, on ne sait pas où. Et peut-être que des tribus l'encensaient comme un dieu. Bref, il est là, il est prisonnier avec des chaînes. Il est plus ou moins torturé. On essaie de savoir. Mmh d'où il vient, ce qu'il veut faire. Donc, euh, euh, il, il est vraiment considéré comme un sous-homme. Et nous avons une personne qui travaille au labo. Ce qui, qui est, ça est assez classique en réalité. Le, le, le coup du monstre ou de l'homme différent Absolue, maltraité. Absolument. absolument. Euh, Mais c'est une des pensées. C'est une créature, oui, une créature qui ressemble à l'étrange, à l'étrange créature du lac noir, un film absolument. bien connu de 1955, un, un, une icône du cinéma. Et en fait, on voit donc cette une des personnes qui est là, du, qui travaille dans, dans le labo, une qui est femme. muette, une jeune absolument. femme qui est muette, donc elle aussi a un handicap terrible et au fur et à mesure, elle, elle a vu qu'il y a ce monstre. Elle va le voir. Elle le tire un peu hors de l'eau. Elle, à travers la vitre, etc. Enfin bref, il y a quelque chose qui se noue, une espèce d'amitié, qui se transforme en amour ou en quelque chose d'amoureux. Ensuite. Avec quelqu'un oui, d'autre. En, quelqu un amour, d impossible, en oui. amour impossible. Ensuite, elle veut le faire évader. Mmh. Donc, il y a toute une histoire aussi, une enquête. Enfin, ils sont poursuivis, etc. Et puis, ça se termine. Ils plongent, ils ont failli enfin, se faire tuer, mais ils plongent dans la mer. Lui il est mort, mais il ressuscite dans la mer et puis il s'enlasse. Il... Bon, ça part euh, un petit peu sur, sur, sur un mythe. Un... C'est très curieux et en même temps, c'est bien fait. Euh, c'est vrai que cette caricature, en, en plus, cette, cette personne-là, cette espèce de monstre, est, est beau. Il a des écailles, c'est une forme humaine, un mec bien bâti, avec ses écailles. Son... Et c'est effectivement l'amour impossible. Alors, on dit qu'il veut montrer par là, qu'il faut pas discriminer les gens, etc. Bon, le discours philosophique ou pseudo-philosophique. On, on a on lu beaucoup f... de chroniques, de voilà, critiques de ce On s'en fiche, fait. mais ils font ça à, à fond là-dessus pour pouvoir en tirer. Je ne sais pas lui ce qu'il en pense. Toujours est-il qu'il parle d'amour. Mm. Ça peut être un amour entre, entre deux personnes euh, handicapées, tout ce qu'on veut. C'est un monstre. C'est un film, donc, de fiction, c'est un film fantastique. Il y a des scènes extraordinaires, mm. il y a quelques longueurs, il y a des oui. personnages en de deuxième ordre comme la Noire qui est là, euh, qui, qui balaye là, qui, qui, est, qui est drôle Truculant, en même temps, truculante, oui. drôle et en même temps elle, elle comprend tout de suite, etc. C'est etc. un film à voir, à mon avis à voir. ou on peut l'aimer moyennement ou beaucoup, mais c'est un film à voir parce que c'est très original. Tout à fait. Moi, je pense que c'est même le film de la semaine, à mon avis. Celui je pense qu'on devrait élire ouais. film de la semaine. Ah oui. Alors, on, euh, et pour on... récapituler, donc Avoir sans faute. Euh, Celui-ci, la forme de l'eau. Ah oui, absolument. Euh, en, numéro faute, en numéro un. Ensuite, on peut voir, euh, si on a un petit peu de temps et des envies, donc, euh, Police Squad, ou Criminal Squad. Criminal pardon. Squad. Euh, Phantom Thread. Phantom Thread. Euh, et dans une moindre mesure, Moitonia. Alors, dans une moindre mesure, Moitonia, et après, Chien, pour ceux qui veulent et vraiment qui euh, découvrir peut-être Ben Chétric, oui. mais qui est plus euh, une niche. Hein. Un, un petit peu spéciale. Ouais, un petit peu pour plus, un plus un dur. Film de chien. <laughs> Voilà, absolument. <laughs> Bon, eh bien, on conclut là-dessus. De et puis à la semaine prochaine, où tu seras là mais avec Anne, absolument, pour reprendre le flambeau et on espère avec de nouveaux bons films. Voilà, à bientôt, chers téléspectateurs. Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir ce matin un Américain à Paris. J'ai nommé Rod Dreher, bonjour monsieur, bonjour, matin. Euh, qui a écrit un très grand livre, Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, euh, sous-titré Le Paris bénédictin, et c'est publié chez Arthège. J'ai eu plusieurs joies à lire ce livre, euh, parce que d'abord il est... Il est immense, il est profond, il est euh, infiniment varié puisqu'il rencontre euh, de, des, certaines catastrophes de notre modernité. Et puis, euh, il nous donne cette solution du Paris bénédictin euh, et ces solutions qu'un grand français, euh, le père abbé du Barou, dont Gérard, Bénédictin, bien sûr, qui a fondé le, 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 cette nouvelle abbaye du Barou. Euh, ces idées ont été dites déjà dans ce livre Demain la chrétienté. Donc, vos deux livres sont frères. Je crois qu'il faut d'abord que vous nous expliquiez euh, comment vous êtes venu à, à cette... Euh, à cette religion catholique. Comment vous avez euh, évolué vous-même en tant que jeune homme, jeune Américain, euh, tout un, progressivement. Je well, I am from Louisiana, a small town. I was raised Protestant in a family that was not very observant. Uh, when I was 17 years old, I decided I have no use for Christianity. maybe it's nice for old people but not for me my mom won a trip to europe in a church uh, lottery and she sent me i was the only young man on a bus full of old people the bus was going to paris and i was so excited it's like finally the art museums hemingway etc the problem was on the way there we had to stop at an old church to look at it i thought an old church. who wants to say that? i went in. it was the cathedral of chartres. i walked in and i met god profoundly. and I, know, I knew from that moment he existed and he wanted me. and i wanted to know the god that inspired the men who built this beautiful temple. when i left, i, I didn't become a christian right away, but i was on the path. i, was, I went in as a tourist. I came out as a pilgrim. Cette, euh, euh, cette découverte de Chartres a eu des conséquences euh, sur vous. Euh, vous êtes un, un jeune Américain et vous menez, comme beaucoup de jeunes gens euh, et de jeunes hommes, une vie un peu agitée. Vous <laughs> comprenez I did understand. <laughs> yeah, I, uh, I wanted Jesus. I wanted to be Catholic after Chartres. But I did not want to be chased. And so I, I went through years at university struggling with what I wanted, but not being uh, able to die to myself. Finally, the day came when I was 24 years old when I decided I wanted Jesus more than myself. Even if it meant to be chased, then I was going to be chased. I would sacrifice all for Christ. And so I was received into the Catholic Church, and uh, I had to live a life of chastity. Dernière question sur votre vie personnelle. Euh, vous avez évolué vers l'orthodoxie. Pourquoi? Hmm. It's a difficult question. I was very strongly Catholic for many years, mm. almost militant. Mm. I always thought that if I had the doctrine in my head and the logic, the syllogisms, my faith was completely strong. As a journalist working in New York City, mm. I began to write about the abuse of children by priests in the church and the bishops covering okay. it up. Mm. I thought, yes, this is a difficult subject, but Catholics have to face it. Mm. What I didn't realize was how dark and uh, satanic the situation would be, and my faith wasn't strong enough. Because my faith was primarily intellectual. Okay. So my faith collapsed after five years. God gave me a second chance as an Orthodox Christian. Um, and in part because, I, as tough as it was to bear the burden of the, the scandal, in the parish life, we got nothing. I was a father with children, there was no teaching. We would have to come out of the Mass some days, and I would tell my children, what father said today in the homily that's not what the church teaches mm -hmm. Mm -hmm. so we were broken in many ways okay i understand very well mm -hmm. uh, the, problem is everywhere. the problem is everywhere and the problem what? is universal you don't leave one church to find a church free from sin sin is everywhere of course my problem was that I made an idol of the Catholic Church, the institutional church, and my idol was shattered. Uh, God gave me a second chance in Orthodoxy, w which I chose because as a Catholic, it has the real sacraments. I had to make a firm decision not to rely on intellect alone, mm. but to convert my heart. Okay. And uh, happily, I regained my love for Catholicism as an Orthodox. So today, I try to. Cela nous amène à euh, ma prochaine question. Après un, un exposé magnifique, euh, historique euh, des euh, mouvements euh, contre Dieu depuis euh, depuis le Moyen Âge, avec euh, le philosophe Occam et bien évidemment la Réforme, euh, les idées des Lumières, la Révolution. Vous arrivez à la, à la période moderne et vous dites que les, les deux forces les plus puissantes de la modernité sont le sexe et la technologie. Dans les années de la Middle Ages, avec Occam, c'est quand, dans le West, we nous avons commencé à séparer le spirituel des choses matérielles. It ends up with Descartes several hundred years later, with the mind body split. And uh, as, as industrialization moved on, as the Enlightenment came, et cetera, uh, people began to feel that they were the masters of themselves. There was no limit to what we could do with technology. Technology is something that should have no limit, in their view, the modern view. And also the body, the celebration of the, the urges of the body, the passions of the body. That is something that has to be set free, so-called, by the Swazan Weetoud, especially. Mm -hmm. And so today we find that we are living in a dictatorship of relativism, as Benoît says, put it. Uh, and this dictatorship is controlled or, or exerts control by the youth telling us that technology will allow us to change our bodies, to change everything to suit our will, and also that we should be able to have as much sex as we want, however we want. Because that is our right as human beings. It is. It goes all the way back to the Garden of Eden. Vous écrivez quelque part. Il y a eu, toujours eu des libertins, mais il y avait le sens du péché. Oh, that's that's very true. Uh, in the old days, they knew they were sinning because they had an mm. ideal outside of ourselves to judge themselves by. Today, the difference is people don't know what sin is. Yeah. And sadly, Anne, they aren't going to learn it in many churches. Pas de sens du péché et plus aucune euh, morale contraignante. Or, vous dites que c'est ainsi que meurent les civilisations. Yes, because if we have no sense of boundaries, we don't know what is right, what is wrong, how far we can go we end up in a situation that uh, the sociologist zygmunt bauman called liquid modernity where there are no boundaries mm. and uh, i believe the benedict option is a call to return to the church as an ark to ride above this flood of liquid modernity a place of light of safety and we have to pull all the people out of the, the waters of liquid modernity and get them to the church alors, pour éviter le déluge, euh, vous proposez euh, de retrouver euh, la, la mode de, le mode de prière et de travail des bénédictins. pouvez-vous nous expliquer euh, en quoi ces bénédictins doivent nous inspirer? well, first, with the benedictine life, everything is ordered around practicing the presence of god in the community. But the, the first principle of Benedictine life is order, the idea that God exists. And if we are to keep our eyes firmly and clearly on Him, then we have to order our lives in certain ways. Secondly, we consecrate everything to Him, we find Him everywhere. We, we honor Him with our work, we honor Him with the way we eat, we pray, and so forth. These are very practical um, solutions for for us in living in the world, but we so often forget that we we live as if there's a separation of church and life. Mm. The Benedictines don't live that way. Mm. That's what I think they can they have to offer to us to make a life that's more holistic in in union with Christ. Il y a aussi, euh, et vous insistez beaucoup puisque the situation est très grave aux États-Unis, euh, d'obéir de, de, à sa conscience dans son travail. this is a problem that most american christians never imagined would happen to them. how can this be in the country of religious liberty that we can lose our businesses, we can lose our jobs for following our conscience? but here we are, and it's going to get worse. what i say in my book uh, to american christians and to all christians is, this is going to happen. We have to prepare for it and know where to draw the line. And we have to help each other in community to help our brothers and sisters in Christ to find work when they have to turn away from their, uh, their vocation because the, the state asks too much. For example, hmm. the doctors. Yeah. The example, nurses. Yeah. Doctors and nurses will be forced by the state within the next few years to participate in abortion, mm -hmm. in euthanasia, in sex change operations. Uh, we've had teachers uh, in some places who are being forced by the government to teach gender ideology mm -hmm. to little children. that's intolerable. mais mm. la liberté religieuse n'est-elle pas la plus grosse fake news du monde à l'heure actuelle? <laughs> yes, à uh, um, fois Well, it's becoming more true in the US. We are becoming uh, well, more In like, France too. We're becoming more like France. Uh, I understand that in France the idea of religious liberty is to protect the state from the church. Well in the US the idea was to protect the church from the state. Things in the U.S. are now becoming more like France because, as the elites no longer believe, they see religious believers as only a threat. And they, ha the Republicans on the right, the political parties of the right, aren't strong anymore to stand up for religious believers. They only want to stand up for their donors. Trump is not a good Christian, but he at least has stood up for religious liberty, and I'm glad for that. Il a au moins fait un discours le jour de la marche pour la vie et nous aimerions que Monsieur Macron en France prononce le, prononce le même discours. Euh, S'il vous plaît, donnez-nous d'autres conseils euh, pratiques euh, qui, euh, qui sont dans votre livre. Euh, L'un des conseils m'a beaucoup étonnée, c'est que euh, il valait mieux être un Un simple plombier et travailler de ses mains euh, avocat corrompu? Well we have to keep it straight in our heads what we are here on this earth for. We are here to follow Christ and to become Christ-like. If becoming wealthy and successful in the world requires us to deny Christ in some real way, then we must not do it. as uh, the Bible says, it gains man nothing, to gain to win the world but to lose his soul mm. so in this sense i am preparing my children for the possibility that they may have to take a job that they might consider beneath them but in mm. fact all work uh, work with your hands ordinary work is consecrated if you do it for christ and if you suffer that loss of prestige for the sake of christ. and less money and less money then we have to uh, accept that. Mm. The problem is, we are so uh, middle- class, we Christians in America, at least, that it's terrifying for us. We, we don't want to think that this might happen. Mm. Guess what? It's happening now. At Paris, mm, certain entreprises euh, respond à vos, à vos conseils. Euh, il y a des entreprises sur Internet. Euh, J'ai envie de citer ce, euh, cette association qui s'appelle Jean de Confiance. Euh, C'est un site internet où, où l'on propose des choses à vendre ou à donner. Euh, et on propose des maisons à louer, euh, euh, mais entre catholiques. Il faut être, appartenir au, au club, si je puis dire. Euh, il y a euh, C est, c est, ce sont des entreprises qui, qui marchent déjà à Paris. Vous, vous avez je crois rencontré euh, des catholiques parisiens de ce type. Last autumn I was in Paris and met lots of different Catholics. I found something fascinating. The Catholics who are older, my generation older seem to be more timid, more uh, worried about their standing with the rest of society. The young Catholics in their 30s and their 20s They seemed much bolder. They, it seemed to me that they didn't care if the world would accept them. They knew it wasn't going to happen, mm -hmm. but they wanted Christ anyway. And they're very creative. They're being what Pope Benedict XVI said are creative minorities. Mm -hmm. He commanded us to be creative minorities. Mm -hmm. So I find a lot of hope in these young people and something else on the internet. We can meet each other. Sure. Uh, we, and it's so important for sure. Christians in France to know that we have, they have brothers and sisters in America and in Germany and Italy and all over the sure. world who follow the same path. It's sure. a blessing. Sure. Uh, vous allez très loin puisque vous y imaginez même, je crois que ça se fait déjà euh, aux USA, euh, que les églises euh, communiquent les adresses des fidèles, les, les contacts mails des fidèles. Yeah, that can be a, a practical way to build community. Uh, we see that in our life. My wife is on Facebook with others from her school and from our church, but nothing can, su can substitute for face to face mm -mm. contact. The internet is only good if it is a way to bring to us meet. together to meet face to of course. face. Of course. And, mm. uh, but I'm, I'm grateful that we have that tool. Le dernier point sur lequel vous insistez beaucoup, c'est euh, l'éducation des enfants et le fait que nos enfants doivent être protégés. C'est énormément important. Mais la protection des enfants ne peut pas être simplement construire des barrières mm -hmm. le monde. Elles sont importants à un certain extent. Mais behind ces barrières, nous devons les aider à construire leur propre cœur. their own conscience their own moral imagination so that when they leave the home leave the school leave the church they will have the strength the inner strength mm -hmm. to be resilient it's not something that you can only learn in a book but it's a matter of constant formation of daily life this is how the benedictine model can help ordinary christians a lot of Christians expect the church to come save them or politics to right, save them. Right, right. It's not going to yeah, happen. Yeah. In the year 2000, before I started having children, my wife and me, we lived in New York mm. and we would sit around with our Catholic friends complaining all the time about the church. Ah, the bishops don't do this, the priests don't do that. We had a priest friend there, Father Joe from the Diocese of Brooklyn. He said, Boys, you're right. The church is as bad as you say, we're completely failing. But here's the thing: you're part of the church too. Uh, God gave us this wonderful pope, John Paul II. He's given us the Catechism. You have more than my parents did when I was a boy to, to raise your own children. So go on Amazon. You can have a library sent to you, like a, a better than Aquinas. You have to take the initiative yourself. J'aimerais terminer cet entretien uh, en soulignant votre humour. et votre rappel de l'éternité de l'Église euh, vous racontez on vous a raconté euh, à Saint-Benoît de Nurcie donc la maison mère des, bénédict des bénédictins et que le Saint Napoléon de l'histoire républicaine a tout de même expulsé euh, j'ai appris que Napoléon avait expulsé les bénédictins de Nurcie euh, et Napoléon, vous rappelez cette conversation entre euh, donc Napoléon et le père abbé. Et euh, Napoléon qui roule des mécaniques, euh, vous savez, je peux vous éliminer, je peux éliminer l'Église en un rien de temps. Et le père abbé qui lui répond, et je le vois avec ce sourire qu'ont les moines. Oh oui, vous pouvez, vous pouvez, mais vous savez, nous avons tout fait pour détruire l'Église, les, les papes, les évêques, certains prêtres, mais l'Église dure toujours. Vous n'y arriverez pas. <laughs> you, vous avez you didn't understand? I did understand yeah. Et puis il y a cette très belle, ces belles conclusions tout le temps. Euh, soyez calme, souriant et ferme. De toute façon, tout cela aura une fin. end, Merci beaucoup, André R. Merci, Madame. Euh, vous nous vous avez fait comprendre aussi euh, pourquoi saint Augustin a écrit La Cité de Dieu. C'était au moment où son monde euh, mourait, était détruit. Et il écrit la cité de Dieu pour essayer de, de faire tourner les regards vers la cité de Dieu. Donc, vous avez marché dans les pas de saint Augustin. That's very kind. Thank you. Merci à vous d'être venu. Je rappelle, il vous faut lire, chers amis de TV Liberté, comment être un chrétien, comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Le Paris bénédictin chez Arthège. Et on peut aussi euh, lire ce livre du grand euh, père abbé, Demain la chrétienté, aux éditions Sainte-Madeleine. Et le livre de la biographie de Don Gérard qui vient de sortir aux éditions Sainte-Madeleine. Et bien sûr, euh, le petit livre de Stéphanie Bignon sur la chasteté ou le chaos, qui est un thème euh, développé, bien sûr, par Rod Reher. Merci infiniment d'être venu. Merci, et d'avoir écrit ce livre. Amis de TV Liberté, à très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour bon, cette rubrique patrimoine, nous avons une fois encore l'aide de Françoise Monestier. Bonjour Françoise. Bonjour Anne. Et qui a fait un excellent papier dans le présent du 10 février euh, sur le sujet suivant, quand Angot et Thuram jouent les conservateurs de musée. Il s'agit du musée de la Croix, ce musée exquis, place Furstenberg, qui était l'atelier de, de la Croix et qui entend euh, entrer de plein pied dans la modernité avec des guides spéciaux. Oui, grâce à, à son conservateur, Dominique de Fonréau, qui, grâce à Dieu, euh, pas, ne dirige pas euh, le musée d'Orsay comme elle, euh, elle en avait le désir il y a quelques années. Et donc, euh, elle a décidé de faire du musée de la Croix une sorte de... Enfin, un lieu où l'on recycle les fausses valeurs de notre société. Et quand je parle de fausses valeurs, je veux parler de Christine Angot d'abord, et ensuite de Lilian Thuram. Alors, qui sont ces personnages pour... Euh ceux qui ne seraient pas euh, habitués au, au microcosme parisien. Bien, Christine Nango euh, se part du titre d'écrivain. Elle a commis plusieurs livres dans lesquels elle, euh, elle parle de ses Ces malheurs, de ses malheurs et de ses expériences sexuelles. Et elle a été recyclée une première fois à la télévision. Où elle se caractérise par des, des, des colères à peine retenues et euh, elle s'était manifestée en 2017 euh, en invectivant euh, un certain François Fillon. Euh, dernièrement, je crois qu'elle a quitté le plateau euh, après s'être disputée avec je ne sais quel amuseur public. Euh, bref, euh, elle. Euh, elle adore provoquer et je pense qu'elle est surtout mal dans sa peau. Quant à Lilian Thuram, tout le monde le connaît. C'est un, un joueur de football. qui… – Un grand euh, joueur de foot grand football. Grand joueur de football qui, lui aussi, s'est recyclé dans, euh, dans ben, le, mé, enfin, le métier. Euh, enfin, il, il joue les conservateurs de musées. Il avait déjà joué ce rôle euh, il y a quelques années au musée du Quai Branly. Et euh, il s'était fait les griffes au musée du Quai Branly et maintenant, il se fait, il se fait les dents au musée, euh, au musée de la Croix. – Et euh, en quoi est-ce que ces personnes, sans aucun passé culturel précis, sans aucun euh, goût du, de la peinture, sont-elles habilitées à euh, parler de, de la Croix et de cette exposition qui est tout de même sur l'orientalisme ?– Alors, Enfin, euh, la… la... La première, la première expérience de Madame Angot a consisté à choisir un certain nombre de tableaux dans le musée de la Croix et à les commenter. Euh, elle a refusé d'aller dans les réserves, Ce n pas, ça ne l'intéressait pas, a-t-elle dit, et elle s'est contentée de choisir les œuvres que des, des, des conservateurs du musée... Lui ont apporté, lui ont soumis. Elle a choisi ses œuvres et elle a ajouté un commentaire écrit au bas de chaque œuvre qui était euh, qui était expliquée sur les simèses du, 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 du musée. Et euh, ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'avait amusé, c'est qu'elle a elle a commenté un, un tableau de Delacroix, euh, La Madeleine du Thésaire », qui est un très beau tableau qui représente Marie Madeleine et elle avait écrit ce commentaire. Euh, c'est Madeleine, c'est une femme du désert, c'est une femme, c'est moi. Donc c'est tout dire du personnage de, de Christine Angot qui, se, qui visiblement se moque du tiers comme du quart, euh, du musée de La Croix, des œuvres de La Croix et de tout ce que la peinture du XIXe siècle peut signifier et du sujet de Marie Madeleine. Et oui. du sujet de Marie Madeleine, mmh. elle s'intéresse uniquement à elle. Mmh. Euh, quant à Lilian Turam, il a, il a donc été chargé. En même temps que Françoise Vergès, qui a été un, un, un apôtre de la euh, décolonisation et un membre actif du Parti communiste, qui a passé son temps dans les, dans les années 60 à, à mentir sur le, la guerre d'Algérie et sur la décolonisation, dont Françoise Vergès et Lilian Thuram ont été chargés euh, de, comment, de, 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 de porter... Un autre regard sur le, peinture la peinture orientaliste. Et cet autre regard est en réalité aussi une entreprise de démolition euh, de ce qu'était l'orientalisme au XIXe siècle, qui était, comme chacun sait, ce, ce, ce courant de sympathie euh, qu'avait pu susciter euh, tout d'abord la, la révolution grecque au, au début du XIXe et un petit peu avant euh, le regard que. Euh, aussi bien des peines que des écrivains, avaient porté sur l'Égypte, sur, euh, sur Constantinople, sur, euh, sur tout ce qui était à l'époque euh, consi considéré comme l'Orient et qu'il est encore aujourd'hui. – En fait, c'était la découverte d'un monde. – C'était la découverte d'un monde, Alors... c'était la découverte de, euh, de, ces, de ces magnifiques paysages, euh, c'était ces... la découverte d'un euh, monde merveilleux, euh, qui a peut-être effectivement à l'époque été un petit peu euh, valorisé par euh, par ces peintres ou par ces écrivains, mais c'était effectivement la découverte d'un monde. Alors on va y revenir sur la, la peinture, on va revenir à la peinture orientaliste. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse dans cette euh, dans cette organisation, je la trouve très intelligente de faire venir quelqu'un dans un musée et le faire réagir. Euh, ça a donné de livres extraordinaires. Le musée imaginaire de Malraux, oui. euh, le musée imaginaire de Proust, enfin il y, eu, euh, y a eu de très belles œuvres euh, nées du contact entre un grand esprit, un grand écrivain et l'art. Le problème c'est qu'il faut qu'il y ait égalité entre les deux. Il faut qu'il y, 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 a... y, qu y ait le même poids. Et, et, et surtout... Euh, la, la démarche de Lilian Durham et la démarche de François Serge ont été des démarches de démolition. Il ouais. faut avant tout, dans leur démarche, c'est euh, signer... Euh, la mort de, de, de l'occidental mmh, mmh. face, euh, face à l'orientalisme et face à l'oriental. Mmh. Et donc, euh, alors pour Lilian Thuram, ce qui est drôle, alors Lilian Thuram, lui, quand même, a joué le jeu, il a choisi. De, bon, il a, il a certes choisi des œuvres, il a aussi ajouté son commentaire au bas, de, au, au bas de ses œuvres, mais son commentaire est à la limite de, dirons, sinon de l'analphabétisme. Mais du moins, c'est une, une ignorance crasse. Bah, – Le pauvre, on ne peut pas apprendre à jouer au foot comme un dieu et courir tous les musées du monde. C'est une ignorance grasse. Euh, alors, euh, alors, lui aussi a choisi La Madeleine du désert. Euh, alors, pour lui, son commentaire, est, son commentaire est encore plus drôle que celui de, de Christine Angot. Euh, et euh, son texte, à, à quoi les sépantois euh, la relation avec le divin s'exprime dans la nudité de cette femme dont on ne voit pourtant que le visage. Alors là, je, oui. je pense que... Bon, si on ne voit que son visage, on ne sait pas on, si elle est nue. On ne sait pas <laughs> si elle est nue. Mais bien. Il signe le, la mort d'une la, la certaine civilisation, Alors, la civilisation occidentale, mais surtout, euh, il, ne, il, ne sait pas, euh, il ne définit pas l'orientalisme. – Absolument pas, et euh, il, euh, il, a choisi, il a choisi, alors d'abord son choix dans les œuvres, euh, il a choisi euh, un, un tableau, de enfin plusieurs tableaux qui évoquent la mort de Sardin-Napal. – Oui. – Bien. Alors euh, bien sûr il y a un tableau de la croix. il y a plusieurs, plusieurs autres tableaux. Et, et dans ce tableau, que, que voit-il Il voit uniquement un esclave noir. – Oui. Il ne voit rien d'autre, yeah, et yeah. il a aussi un commentaire qui est, qui est Ce qui est très euh, juste puisque toutes ces sociétés employaient des esclaves noirs. T -t toutes ces sociétés. Mais ça n'a rien, euh, euh, rien à voir euh, avec l'Occident. Euh, ça n'a rien à voir avec l'Occident puisque c'était chez eux. Depuis, <laughs> depuis l'antiquité ouais. jusqu'à e, euh, jusqu maintenant d'ailleurs. Euh, qui a le pouvoir a-t-on le droit de donner la mort Mais euh, euh, on, connaît, on, on connaît la légende, on connaît l'histoire de Sardanapale, mais euh, son, son commentaire se réduit. À un, à un esclave noir qui est chargé de, de, euh, de tuer euh, les, les chevaux et les chiens de ce, du roi de Ninive. Et pourquoi il les, doit les tuer Mais il doit les tuer puisque ça, Sardanapal, ne voulait, euh, Sardanapal refusait que les, les, les envahisseurs euh, prennent possession de ses richesses ouais. et prennent possession de Allez. son palais. Donc, Donc il, il, fallait... décide oui. de, il décide de se... De faire donner la mort à ses, à ses, à ses femmes, euh, à, à, ses, ses à ses favorites, ouais. et, euh, et, et aussi ouais. à, ses, à ses chiens et à ses chevaux, et il se donne lui-même la mort. Oui, ouais, c'est un sujet absolument étonnant en effet. Mais euh, ce qu'il y a d'effrayant de, 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 aussi, c'est euh, la valorisation de, de mots qui sonnent complètement creux. Enfin, c'est un, un enfilage de perles qui ne signifient rien, euh, de mots qui ne signifient rien. Pour juste arriver, comme oui, vous dites, un à an. alors dans les enfilages de, euh, de dans les perles. enfilages de perles, euh, mmh. il euh, il dit à l'époque de Delacroix, les Occidentaux sont convaincus de leur supériorité et la question est de savoir quel pays occidental se placera au premier rang dans l'entreprise de domination du monde. Mais... Mais ils ont ils ont vraiment un, ils ont vraiment un logiciel qui est un logiciel. Euh, Perpétuellement accusatoire. On est ah, dans le prétoire, on est dans le prétoire, l'Europe est en accusation et eux sont les pauvres victimes. Et euh, c'est intéressant à un moment, mais pas, pas tout le temps, pas non-stop, pas au musée de la Croix, ça commence à fatiguer. Oui. Moi j'ai une autre question oui. euh, à vous poser, euh, chère Françoise c'est euh, la, la présence de ces femmes nues, ou de ces danseuses orientales. Très, très. Euh, oui, très alors. Déshabillé. Là, alors là aussi. On se dit, aussi, mais en pays d'islam, comment se fait-il Oui, mais là aussi, il se moque du monde. Parce que qu'effectivement, euh, il a choisi d'exposer de, des odalisques. Bien. Odalisques, voilà. Qu'est-ce qu'une odalisque Bien. Il a choisi d'exposer ces femmes qui étaient, qui étaient, qui étaient très belles, qui étaient, qui étaient dénudées, qui étaient. Mais, après tout, il oublie simplement. Alors. Euh, son commentaire, évidemment, vaut son pesant de cacahuète. Euh, il nous dit, euh, à la même époque en Occident, euh, les femmes étaient corsetées et l'on voit que le, que le corps est libre dans un pays d'Orient. Il oublie simplement que ce corps était libre peut-être, mais dans le cadre unique et dans le cadre, en, renfermé, dans le cadre enfermé du, du harem. Du harem et que dès que dans le d'un fermé du RM, où évidemment euh, ces femmes vivaient entre elles sous la garde et sous la protection de nuques, de nuque noirs mmh. mais de nuque, et que donc euh, la, la Qui, représentation de, de ces que, femmes que ces populations avaient châtré que ces populations avaient châtrées, et euh, ces femmes évoluaient donc euh, vivaient entre elles et euh, la peinture qui en a été faite par euh, par Delacroix et par d'autres était une était une peinture euh, était une peinture fantasmée et, et donc euh, là là encore il se moque du monde puisque euh, euh, il veut nous faire croire que ces femmes étaient libres Or, euh, il suffit de lire d'ailleurs ouais. un, un tout petit peu plus tard, ne serait-ce que, mettons, Pierre Lotil est désenchanté, pour oui. savoir que euh, euh, ces femmes-là vivaient sous le joug de, euh, de leur maître, maître et, et, propriétaire. Que, et propriétaire, et que donc, à la moindre incartade, elles étaient, par exemple, jetées dans les eaux du Bosphore, et que. Euh, Là, là, là aussi, monsieur, enfin, Lilian Durham veut nous, vendre veut, veut nous vendre quelque chose de faux, quelque chose qui sonne faux. Mais, et euh... mais il faut dire que Lilian, Lilian Durham a une fondation, a une association. Euh, euh, qui, de, lutte, qui lutte contre qui le lutte racisme. lutte contre le racisme. Euh... Et donc il faut bien qu'il euh, trouve des, des vecteurs pour faire passer son message, son message. Oui, à, à ce titre d'ailleurs, euh, dans le. Dans, dans, dans le musée, euh, nous sont proposées les œuvres impérissables de Lilian Durham, à savoir deux livres euh, qui euh, expliquent comment lutter contre le racisme. Et euh, il, euh, euh, il, est, euh, il vient une ou deux fois par semaine. Euh, présenter l'exposition, euh, ainsi que Madame Vergès. Et donc, il y a quantité d'enfants euh, d'école qui, euh, qui sont contraints de l'écouter, ou, mmh. ou, de, ou de joyeux bobos qui, qui viennent écouter ces paroles comme paroles d'évangile. Et euh, cette, euh, cette plaisanterie, je crois, va durer jusqu'au mois de mars. Endoctrinement et propagande sont les deux mamelles de la République. Moi, je suggère à la directrice du musée qu'elle invite Françoise Monestier pour faire visiter cette exposition. Et je, je pourrais aussi que, inviter Anne Brassier. Et je pense qu'on aura une, une, un moment beaucoup plus agréable. Oui, mais malheureusement, je n'ai pas… Enfin, Moi, je pas tellement la peinture pas orientaliste. Choisi, je n'ai pas je... choisi euh, je euh, pas... les œuvres qu'il qu qu expose. Et puis, c'est très drôle aussi de voir qu'il a choisi parmi ses œuvres un, un portrait du, du roi, enfin, un portrait de Jérôme Bonaparte, dont on se demande ce qu'il vient faire dans cette exposition qui était roi de Festphalie. et... Euh... Ah si parce que Liliane Thuram aime les hommes en uniforme Il, Ah peut-être oui. oui, peut la, peut la virilité le... de Liliane s'est retrouvée dans la virilité de Jérôme Bonaparte François Ah je crois que vous avez le mot de la fin C'est <laughs> élémentaire mon cher Watson Tout à fait Merci beaucoup Françoise de nous Merci, avoir Yann. fait rire de cette énième initiative ridicule euh, qui touche pourtant à, à l'art français. Merci beaucoup Françoise. Merci beaucoup. À très Yann. vite. À bientôt. <music>